Alors mon parcours est des plus simples. Je suis née au Togo, j'ai passé les premières années de ma vie au Togo. Ensuite, je suis venue en France avec ma famille, mes sœurs, mes parents. Et aujourd'hui, je vis entre l'Europe et l'Afrique. Je suis très investie, très en faveur de la diversité positive et heureuse. Parce qu'on entend trop de choses négatives sur la diversité, ce qui me frustre. Et je n'ai qu'une envie à chaque fois, c'est de prendre un micro comme j'ai fait ce soir et de dire tout le bien que je pense de la diversité. Et encore une fois, mon amour profond pour la France. Pour moi, c'est naturel de mélanger les gens venant de différents horizons, avec des façons d'aborder les choses sous différents angles. Cette diversité, on la retrouve aussi par les diversités d'approches en termes de disciplines, physique, biologie, mathématiques. On a de plus en plus besoin de ce genre de choses. Et aujourd'hui, c'est vraiment une évidence. La diversité et la recherche, c'est complètement lié. Moi, je suis né à Trappes et donc j'ai grandi en banlieue parisienne et toute ma vie, je me suis un peu cherché justement parce que j'ai vu un peu la diversité. Ça veut un peu tout et rien dire. Mais bon, j'étais un peu toujours le seul chinois en gros, très concrètement dans la pièce. Mais en fait, en me cherchant, je me suis toujours demandé en fait à quoi je sers. Et en fait, à travers mon parcours, je me suis, comme je le disais, beaucoup cherché. J'ai fait Sciences Po, j'ai décidé qu'en fait, je voulais faire des maths. Je suis parti à Berkeley en faire. Et après, j'ai bossé dans la Silicon Valley et j'étais data scientist. Et c'est là que je me suis dit, data scientist, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crée des algorithmes tous les jours qui vont aller toucher des millions d'utilisateurs. Et le déclic, c'était, si on peut toucher des millions d'utilisateurs et ces nouvelles technologies, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en servir pour aller aider des millions de personnes sur des sujets un peu plus concrets, un peu plus intéressants que d'aider les gens à trouver les bons produits à travers les clics publicitaires ou ce qu'au font les startups du moment. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai lancé il y a 3 ans l'ONG Base Impact. Et notre mission, c'est d'utiliser la technologie pour améliorer les services publics et aider les gens. Elle a toujours, mais très très jeune, voulu servir l'État. Elle ne concevait pas son travail dans un secteur marchand à ne faire que des bénéfices. Bon, est-ce que c'est moi, ma femme et moi qui lui avons donné cette idée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était quelque chose qu'elle a affirmé très très jeune. Peut-être que je peux, parce que j'ai un parcours un peu particulier, attirer des gens qui se disent « là, j'ai peut-être une chance ». Et après, ça se fait très humainement. Donc il y a des gens de plein de pays qui me contactent, après on discute et puis on s'aperçoit qu'il y a des points communs, des ouvertures, des intérêts et une dynamique s'installe. C'est finalement assez simple, c'est les rencontres.